On arrête le Let's Play Yo-Kai Watch et on va faire un... Oh, regarde, oh d'accord, un miroir chez nous maintenant. Bah hey, oui. Haricot, regarde, il y a un miroir bah, chez nous. En vérité, c'est vrai que souvent, on est en mode, ouais, je dois retourner chez moi pour dormir, donc ça va. Réveille-toi, c'est une belle journée. Comment tu peux la passer à dormir, là? Bon sang. Oh là là, Whisper, tais-toi. Tous les jours, tu parles. Dis donc. On dirait que quelqu'un s'est levé du pied gauche. Tu peux en prendre qu'à toi-même, hein. Tu vadrouilles toute la nuit. À qui la faute? De toute façon, tu vas pas rester là à rien faire, hein. D'où te vient toute cette énergie de bon matin? Après hier soir, j'ai commencé à croire à la présence de mauvais yokai et j'ai bu des lamunés. Ah, c'était trop bon. Ah, je les ai volés, là. C'est cool. Ben, je crois que ça va empirer, hein. Tu as pas du tout songé, Haricot? Écoute, j'ai une idée. On va retourner à l'école aujourd'hui. Allons nous renseigner et voir si personne n'a vu des choses étranges. On peut vérifier si un des professeurs est resté tard. Ah ouais, bonne idée. Au fait, on sera sûr de la fiabilité de l'information. Ça pourrait nous aider à élucider le mystère. Bien sûr, il ne faut pas vendre la peau du yokai avant de l'avoir tué. Bonne logique, mauvaise métaphore par contre. Allons un temps d'école et voyons si on peut trouver un professeur et qui parlera. Non mais Haricot, tu veux devenir quoi? Quelqu'un qui... Non mais Haricot... Est une ocarina confirmée. Oui. Nous on joue à Pokémon, on fait quoi? Bah on tue les Pokémon et les dresseurs. C'est vrai, c'est vrai. Je me souviens de cette sombre époque où on tue les dresseurs. Beaucoup de darkness dans notre cœur. Et beaucoup d'incompréhension dans les commentaires. Comment ça? Ah non mais... Ça va être dur hein, de jouer à d'autres RPG. Haricot a trop joué à Monster Hunter après le feu d'artifice. Encore la chaîne Haricot Knights. Hein. Non, mais dans une dimension parallèle, on s'appelle peut-être Haricot Knights. Hein. Mais on peut pas tuer les yokai vu qu'ils sont déjà morts. Bah, on peut les exorciser. Et après, ils disparaissent. Là, c'est moi qui joue et hop, automatiquement, je fais une ânerie qui sert à rien. Voilà. C'est pas grave, vas-y, continue. Alors, Docteur Titange, tout en volant leur fenard. Voler leur fenard? Oui, c'est toi qui voles des fenards. C'est un clip. Un des clips les plus vus de la chaîne, d'ailleurs. Mais... Oh, il y a un dessin. Attends, mais il est possédé, lui? Oui. Ah, mais oui, si, elle nous avait donné sa quête, en fait. Mais on l'a, je l'ai ignoré, je suis partie. Ah oui, d'accord, ok. Genre. Alors qu'il est juste là. Bah ouais, bon, allez, moi je ne peux pas laisser une pauvre madame qui a un rhume. Que de sympathie. C'est gentil, c'est gentil. Très bien. Ah, c'était un bon, celui-là, là. Hein, tu veux un nez qui coule? Ok, il y en aura pour tout le monde. Oh. Non mais le gars il va être niveau combien là ça? Vous allez vous faire. Mais j'avoue qu'en plus ils te font un. Enfin faudrait que mon équipe ait envie d'attaquer par contre en fait. Oui. Non mais en fait vous voulez pas vous trollez en fait genre vous trollez mais vous trollez tous. D'accord, très bien. Ah non, mais un beau combat. Hein. Oh, franchement. Oh, ils sont trop nuls, on veut pas se battre, hein, franchement. Non, mais c'est incroyable, y'a personne qui attaque, genre... Écoute, j'ai gagné un bonus d'argent. Comme ça, on pourrait acheter un bon burger. Miam miam. Voilà, 5,30€. Et du lait. Et du lait. Ah, c'est vieux nez, elle coule tellement. Un remède vite, s'il te plaît. Alors, vraiment pas bien, trouvons les yokai cachés. Ah, il y en a plusieurs! Ah ouais, d'accord. Bah, du coup, c'est un sacré rhume, en fait. Toujours lui, hein. Évidemment, il est toujours là, lui. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Toujours à ruiner le fun des gens, mais fantastique. Tarabajoie. Fatigue, je ne peux pas bouger d'un cil. Toi aussi, tu vas tout bouger. Je peux utiliser ce qui me reste d'énergie. Alors, est-ce que vous serez un petit peu plus motivé pour attaquer ça? Oui. Oh, attention, ils font plus mal. 4. Ça rigole pas, un darabajoua. Ah,
C'est quoi ce petit retourné? C'est pour faire stylé à la ouais, fin. Ouais, c'est ça. Mais non, mais en fait, on expatonnerre. On gagne même pas d'ex. Oui, on gagne pas. Y en a-t-il un autre? Oh, on peut aller au-dessus. Ah oh, bah lui c'est déjà plus logique aussi. Du coup c'est lui en fait le coupable. Bah non parce qu'il y avait Morvobec, il donne à Morvobec. Ah tu penses? Bah je pense oui. Du coup d'un rabat-joie c'est un yokai qui rend malade. Alors lui par contre je sais pas mais... Quel bel tout bien irritant de tes grâces, tu veux c'est tout qui chatouille, ne te plains pas si tu en perds la voix. Ok cool. Ok, ce jeu n'est pas pour les gamins. Mm-hmm. Bravo. Petite crise de fou. Mais en silence. Quand même, très important, très important. Ah bah, d'accord. Niveau compétence supérieure, technique 3. Très bien, bravo, bien joué. Thor. Bonjour, minuit. Fantastique, la mauvaise aura n'entoure plus l'école maternelle. Tout va bien maintenant. Les maîtresses et les enfants devraient se sentir mieux. Leur rhume devrait être guéri. Tu devrais vérifier auprès de la princesse... de la princesse. Ah oui, on peut... Ah oui, d'accord. Super, le tour focant. Hein, mon nez ne coule plus, ma gorge ne me fait plus mal. Et j'ai enfin récupéré de l'énergie. C'était de la magie? Ah, j'arrive pas à croire que tu m'aies guéri aussi vite. Le meilleur remède, c'est toi. Oh! Oui, la princesse, c'est... Non, désolé, désolé, genre... Qui pourrait gagner 2 points d'XP, là? Quoi? Et des remèdes. Des remèdes infects, merci, maîtresse, hein. Oh, tiens, prends mes remèdes infects. Des chips. C'était Damona? Non, c'est pas Damona qui a fait des méchancetés. Damona est gentille. Damona, elle nous aide à battre les vilains yokai. Les grands yokai très méchants. On n'oublie pas. Hein? Tu... Ah oui, on doit aller à l'école, ok. Oui, oui, tu vas à l'école. Parce que sur le coup, j'étais en mode, tu vas au Mont-Sylvestre? Non, je vais faire des études, là. J'en ai marre. Il n'y avait pas une porte de rang A au tunnel? Si, il faudra qu'il y en ait retour un jour. Au tunnel? Oui, le tunnel là-haut. Tu sais, le tunnel. Avec le chariot qu'on n'a pas réparé. Ah ouais? Oui. Mais je sais plus si c'était S ou A. Minuit. Bah, il me semble qu'on avait déjà ouvert la porte, en fait. Il y avait deux portes. Il y en avait deux, ok, très bien. Hé, hey, Hariko, je suis surpris de te voir ici durant tes vacances. Ah, c'est le professeur trop stylé. Eh oui, bah oui, je me retrouve toujours ici à travailler alors qu'il n'y a pas cours. Non mais c'est un yokai, mais c'est oui, sûr. Il a une tête de yokai. Il est beaucoup trop stylé pour être un humain, Whisper nous l'a dit. À vrai dire, j'ai une question. Avez-vous vu des choses étranges hier? Je ne crois pas, rien qui sorte de l'ordinaire. Enfin, rien à part le fait que Matt m'ait posé exactement la même question. Tu es aussi intéressé par le surnaturel et les phénomènes étranges? Si c'est le cas... As-tu entendu parler de la boule de cristal qui voit tout? Non, c'est celle de la mamie voyante. On dit qu'elle peut te montrer tout ce que tu veux voir. J'ai entendu dire que le temple de la voix en aurait une. Ah, oh, ça me dit quelque chose. J'ai déjà entendu parler de cette boule de cristal, juste pour info. Voyons. Voir si ça peut nous apprendre plus de choses sur ce yokai à l'école. Temple de la voix, nous voici. On a entendu minuit. Ah. Excuse-moi, Hariko. Que se passe-t-il? Tu me parlais? Non, je veux dire oui. Enfin, merci, monsieur Kubilis. Tout plaisir est pour moi. Fais attention à toi. Oh, on peut se balader dans l'école, hein, quand même. Ce n'est pas parce qu'il y a cours... pas court que tu ne peux pas aller à l'école. Ah bah y'a un gars qui veut une quête là. J'arrive pas à croire que ces petits plaisantins. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a l'air soucieux devant lui. Quelque chose ne va pas? Certains élèves font des farces dans l'école et me font tourner en bourrique. Ils ont pris des objets pour les mettre là où ils devraient pas être. J'essaie de les remettre là où il faut, tu pourrais aider? Ok. Bien, merci beaucoup. Tu pourrais jeter un coup d'œil dans les salles de classe. Tu auras sûrement des objets qui viennent d'une autre salle. Si on trouve, ramène-les ici. Les membres du personnel m'ont dit quelle classe était concernée. Bon, le bureau du proviseur, la salle de musique, de sciences, et j'ai oublié. On va y avoir 5 objets manquants en tout, trouve-les s'il te plaît. Je vois, on dirait qu'on doit donc trouver des objets qui ont été déplacés. On devrait commencer par le bureau du proviseur, c'est la salle juste à côté. Voir, c'est attrape. Allez, juste parce que c'est la salle à côté, et après je m'en vais. Ah, c'était là-haut.
C'est là. Bravo! Ah, le portrait du musicien n'a rien à faire dans le bureau du proviseur. Quelqu'un a dû prendre de la salle de musique. Quelle blague terrifiante! Tiens. Bon, bah. Je crois qu'il veut que tu récupères tout et après il voudra bien te parler. Très bien, mais moi, comme j'ai dit, c'est bon, j'ai déjà fait assez de quêtes annexes comme ça, moi. Bravo! Attends, non, je dois aller dans le temple de la voix, ça veut pas dire que je dois aller au temple là-haut. Non, le temple de la voix, c'est celui des fusions. C'est vrai? Oui. Ok. Ah bah voilà. Acceptez mes remerciements. Un kappa. Magasin! Magasin, oui. Ils vendent des talismans. C'est un tout petit papy, mine de rien. Eh oui. Je me demande si c'est la boule de cristal dont parlait Monsieur Cubilis. Je sais pas, ça pourrait être une boule complètement différente. Mais ouais, le sentiment que c'est celle qu'on en recherche. Et donc maintenant? Pointe juste à Yokai Watch vers la boule de cristal, Hariko. Tu seras téléporté dans un monde compris. Magique. Voyons voir. Ah, c'est quoi? Pourquoi vous m'avez réveillé? Attends, donc ce yokai serait le secret derrière cette boule de cristal? Dragon Ball. Bah sûrement. Qui pourrait croire qu'un bébé dragon vivait ici? Le cristal d'un dragon peut deviner la vérité et même révéler le futur. Bonjour, vous voulez quelque chose? Ravi que tu demandes, Dracune. On aimerait consulter la boule de cristal. Tu es sûrement quelqu'un d'assez aimable pour nous aider, pas vrai? Peut-être. Elle ne voit pas toute seule. Et rien n'est gratuit dans ce monde. Je vous laisserai jeter un œil si vous me rendez un service. Ah, donc un échange, un service pour une faveur, j'aime ça. Je veux un Lucan. Un Lucan, s'il vous plaît. Pas une espèce rare. Un simple fera l'affaire. Ah. Bon, bah, qu'est-ce qu'on attend? Allons à la chasse. Hein. Plutôt, on aura le scarabée, plutôt on consultera la boule de cristal. Bon, bah... J'imagine qu'on en a pas, en plus. Un petit garçon est apparu. C'est moi ou je t'ai entendu parler d'un Lucan? Tu veux que je te dise où le trouver? Oui, oui. Tu vas trouver un Lucan, rends-toi au Mont Sylvestre. Je savais qu'il fallait. Non, mais c'était sûr! Je savais qu'il fallait. C'était sûr! Et c'est pas grave, parce que maintenant on a le TP! Si on lui donne l'insecte de Tales of Berseria, il le prend. Ah, ça dépend. Est-ce que c'est un Lucan ou est-ce bah, que faut, c'est faut, un. Faut voir de quel côté il est, lui, en fait. Vous n'aviez pas oublié la quête principale quand même? De capturer des insectes, c'est sûr que des fois faut le faire. Mais arrêtez de mettre des yokai dans tous les arbres aussi! Ah! Ah, mais là c'est des cigales. Bah après il y a des arbres sur le chemin. En haut. Wow, un papillon aussi, je vais l'attraper. Mmh. Wow. Wow. Et en plus tu vas en avoir un rare! Macaron! Bien joué! Ah là! Ah! Là, tu peux t'en donner à manger. Hein. Je serais oui, d'accord. Si je... Ah, on peut pas mettre plus? Je crois que t'en as plus. Si, j'en ai 4 encore. Ah, ok. Mais attends, mais j'ai la chance là quand même. C'était le dernier que j'ai mis qui a compté, genre! Oui! Bon, bah écoute, vu qu'on est à côté, autant que j'aille voir vite fait. Ah, oui, du coup! Ah, on l'aime bien ce... Oh, il y a un méchant! Il y a un mob là, genre. Mais genre? Et en plus, il bloque et tout! Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il a jamais été là! Mais oui, mais c'est le but des boules acier! Oui, mais... Et pourquoi un boule à pique, pardon! Boule acier... Je veux pas te laisser passer! T'arrives à me voir? T'es pas un humain ordinaire! C'est pas parce que tu dois me voir que tu me donnes... Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Il avait envie, ok? Mais attends, mais le pire, c'est qu'il sert à rien parce que je peux passer à côté, en fait. Oui. Écoute, là, j'avoue que le mystère reste entier. Ah, voilà, la tonnerre. Alors, qui va porter le coup final? Ah, il a peur des épines. Il a peur des épines. Non, il s'est juste fait mal.
Y'a personne qui veut border le coup final. Ah, c'est quand? Gagné! Bonjour, un tonnerre! Voilà, donc j'ai battu quelqu'un juste pour par plaisir, en fait, finalement. Quelle force pour un humain, tu en penses aussi. Tout sur la défense. Bien, merci pour le cadeau. Bon, alors, ce fantastique tunnel abandonné... Qui est à droite? Oh, il y a un miroir! Oui, non, je veux pas. Au moins, on sait qu'on pourra partir directement... Nouvelle phrase du let's play, ouais, il y a un miroir. Oh, merci! Falilou! Pour l'abonnement. Attends, quoi que? Ah, oh, c'est un donjon entier, finalement! Ah, tu veux peut-être le faire, c'était ton donjon à la base. Non, vas-y, c'est pas grave! Tu as le droit, toi aussi, de visiter. Sachant qu'il y a une sortie, en plus. Mais oui! Mais je veux dire, pour aller dehors. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. C'est une espèce de chauve-souris fantôme. Comme une chauve-souris. Ah hein. Oui, sauf qu'il peut! Ok. Il y a un anneau devant. Bon. Ah, il y a plein de chemins, là. Donc, soit je... tenter de... Ça, c'est pas pour... Ah non! Là, tu... ah, peut-être tu vas à droite... Et là, tu vas tout droit. Ouais, j'allais dire, je commencerai bien partout. Ah non, d'accord, c'était droit, l'inverse. Bon. Ah non. Tendino. J'ai jamais vu ça, Tendino aussi. Non, je connais pas. Ouah, tonnerre. T'inquiète. Attends, il est soigné, toi, en fait. Oui, Darkpit vient... Non, il vient de te soigner, Darkpit. À l'entrée du combat, il a soigné Thor. D'accord, donc j'ai fait son ulti pour rien, en fait. Ah, une âme. Ah, une âme. Oh non, Atoner a été envoûté. Ah oh mince, Jibanir il va pas bien non plus. Il vient d'arriver, Jibanir, oui. Direct, genre. Hop. Eh bé, ça se voit que ce sont des yokai de rang A. Ah ouais? Mais non, mais je trouve qu'on met du temps pour les battre. Ah, mais je veux dire, ah ouais, ils sont de rang A? Bah, c'est une zone rang A, donc c'est des yokai rang A, non? Non, pas du tout. On sait jamais. Hein. Bah, Jacasseur, c'est pas un rang A, je pense. J'avoue. Bravo pour le niveau 32! Eh bah, non, pas de collègues. Bon, on va descendre, allez, soyons fous. Ok, bon, bah très bien, c'était un chemin inutile. Bon bah, on a tous les ingrédients maintenant. T'as pas été en haut? Bon, après, c'est pas grave. Bah non, j'y suis pas encore allé, justement. Non, mais il y avait des planches, on pouvait pas aller dessus. Si, on pouvait. Si, j'y suis allé. Regarde. Ah oui, ok. Oula, non, mais Jacasseur! Désolé, c'est de ma faute! Jacasseur! Pourquoi Jacasseur? Tu jacasses! Oh là là! 3 yokai niveau 32! Et bientôt au niveau 33. Bah, en tout cas, on n'expe pas très fort, donc comme quoi. Ouais, mais non, mais finalement, c'est ils sont pas très forts, les yokai d'ici. Non. Alors, c'est bien, mais. Oh, il a disparu! Ah, d'accord, Oh, c'est vrai! Il y a. Pas de mur invisible. Alors là, je pourrais tomber pour récupérer le... Ah, ah ça va être la pièce manquante. De l'huile de Tendino. Oh, oh. Du coup, là... Qu'est-ce que c'est? C'est de l'huile de Tendino. Si on l'utilise sur une machine rouillée, elle sera de nouveau en état. Une machine rouillée? Mais non, le mob. On purifie des yokai. Du coup, c'est vraiment bien. N'est-ce pas mauvais pour un yokai, finalement? Petite teigne. Oh. Voilà. Laisse-moi rejoindre ton équipe pour qu'on s'entraîne tout le temps. Allez, hop. Je pense que ça ferait plaisir à Angélique. Ouais. Ouais.
On joue sur une vraie 3DS. Alors, comment s'appelle-t-il? Monsumo, Rocky, Lamounet, Monty. Oh, oh, moi j'hésite entre Rocky et Lamounet. Hein. Ah bah, moi je dis faut continuer les trucs en nez, là. Lamounet, allez, Samounet. Allez, c'est parti, Lamounet. Boulinet. Non, on est sur le vrai 3DS, une petite 3DS blanche. Belle effet qui a perdu son sa protection pour le stick. Le circle du coup, pad. Ça fait mal aux doigts. Avec le stylet d'origine en plus. J'avoue. Pièce jaune. Ah, mais non, c'est une pièce tout à fait normale. Y'a rien ici. Bon, très bien. Donc. Mais non. On dirait tellement que t'as foncé dedans volontairement. Wow. Ah non, d'accord, il y a deux chemins. Le premier chemin, il a l'air de jamais bien, donc... Ah, bleu pièce ciel. Bleu ciel. Ah. Ah, c'était pour ça, l'huile. Bon, finalement... C'est toujours pas pour ce qu'on cherche, en fait. Oh. Donc je vois, tu es l'humaine qui a découvert notre secret. Quoi? Non, on n'a pas l'intention de... Abandonne et révèle-nous ton secret. Que fais-tu? Ah, je savais, préparez-vous à ressentir la pleine puissance de mon pouvoir. Ok. Ébétor. Ah, mais bien. On avait vu le petit, version petit de lui. Ah ouais? Oui, mais c'était il y a longtemps dans une ruelle. Alors, faire de la foudre sur un monstre électrique à tonnerre, je pense que ce n'est pas un bon point. Alors, on fait une petite valse des esprits, là. Pourquoi vous ne streamez pas sur YouTube? Parce qu'on préfère le faire sur Twitch. Ça brûle! Ça brûle! En fait, c'est pas si fort que ça, je m'attendais à quelque chose. Oui, j'avoue. Je m'attendais. Mais je sais pas, vu comment il était en mode énervé, trop en mignon. En plus, il est devant une porte, ça se trouve, on peut pas y aller. Ah bah là, il fait mal par contre, hein, c'est bon. C'est réveillé en fait. Comment ça, moi je suis nul? Comment ça, moi je suis nul? Il me semble que c'est juste tellement plus simple, Twitch. Oui, ouais, bah ouais, carrément, oui. Y a vraiment un plus gros confort, on va dire, sur Twitch que sur YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, parfois il y a des streams sur YouTube aussi. Ah, il a fui, je voulais savoir quel était le secret. Tiens, il a aussi laissé tomber quelque chose. Ah bah voilà, c'est ça qu'on cherche. Un moteur émetteur. Un volant, de l'huile, un moteur, on a ramassé des objets bizarres. Ah, je sais, ça doit être tout ça pour servir à réparer le chariot cassé à l'entrée. Le fameux sucré yokai doit se trouver de l'autre côté de ses rails. Tu es vraiment sûr de ça? Je sais pas ce qu'il raconte, lui, bien sûr. C'est comme ça que le jeu vidéo fonctionne, fais-moi confiance. Bon, si tu le dis. Ah oui, bien donc sûr. Là, c'est bien une porte de rang S. Rang yokai ne te permet pas actuellement de passer, c'est tout pauvre. Ah, en plus, ça a l'air d'être la sortie. Bah, il y a une sortie, oui, effectivement. Mais c'est quoi ça? C'est le levier pour amener le wagonnet, parce que si tu viens de la sortie. Mais je voulais pas. Bon, c'est pas grave, à la place, on va découvrir le secret yokai. Ça y est, on va peut-être passer notre yokai watch au rang S avec ça. Comment ça, non? On va faire une petite sauvegarde, là, on a fait quelque chose d'extrêmement difficile. Et oui, c'est exactement ce qu'on t'a dit, Nobiland. Allez, tu peux te jeter. À côté de Flamente. Oh, wow, c'était risqué. Une belle esquive et pas une belle excuse. Alors ça ici, puis ça là. Et voilà, chariot réparé. Quoi? Vraiment? Et avec mes formidables talents de Yokai Valley, je suis un jeu d'enfant. Bon, allons-y, là. Je me demande bien pourquoi j'ai un mauvais pressentiment. C'est pour ça qu'on a sauvegardé. Alors, il y a un super coffre. Il n'y a rien ici. Ouais, bizarre. D'habitude, on trouve des trésors, des richesses, mais... Attends un peu. Wouah! Waouh! 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 Volte-face! C'est vraiment un boss là par contre.
Ça y est, on rigole plus là. Ouais, on envoie les yokai du combat. Waouh, waouh. K.O. éclatant. Alors, ça touche plusieurs personnes. C'est encore un yokai qui se prend pas de dégâts. Ouais, bah il faut trouver son point faible. Tant qu'on a pas trouvé le point faible. Erreur du jeu. Ah non, si. Non. Si, il a perdu de la vie. Il a juste énormément de points de vie en fait. D'accord. Oh, une âme. Non, mais. Non, je veux récupérer l'âme. Voilà, nice. Oh, il y aura de l'exp. Ah, je vais peut-être du coup pas faire l'ulti de Thor du coup. Bon, après, oublie pas, hein, on a des objets. Oh purée, il a fait super mal. Hein. Ouais. Ouais, mais t'inquiète, je vais utiliser un objet là. Direct. Alors, c'est. Prends un peu d'âme. Prends très peu d'âme. Presque toute l'âme. Est-ce qu'on a le plus? Spiritzer Y, très peu d'âme. Okay. Après, moi je me demandais dans les talismans qu'est-ce qu'on avait de beau aussi. Oh non! T'inquiète, il va wipe ta team! Mais non, je vais faire un soin direct après là. Ah mince, ok. D'abonner à une mort. Oh, il est heureux parce qu'il a fait un kill. Ça se fait pas. Allez, c'est pas grave. Ça, on a gagné plein de trucs de résurrection. Hein. Oui. Des remèdes amers. Non, lui, faut pas l'utiliser. Oui, mais t'inquiète, t'inquiète, je regarde juste. Que ça faisait de beau. Après, en même temps, elle craint le feu. Ah ouais? Bah, je pense. Ouais, c'est vrai, en fait. Et lui, il craint la glace, tu vois, c'est des ennemis naturels. Ah non, en fait, il fait juste mal. Ouais, il fait mal, quoi. Attends, mais c'est qui a fait aussi mal, là? C'est Jibania? Non, c'est Damona qui fait de la glace. D'accord, ok, là, j'ai... Regarde. Ah oui, d'accord, ok. Ah, oh, il est redevenu énervé, là. Je vais voir si, du coup... Dark Pit. Hein, non mais faites pas du feu sur du feu, monsieur Jibanian. Ah, ça y est, la peau maudite est en mais action. Non, mais non, Damona sérieux... Oh, elle est brûlée. Ils sont tous brûlés, en fait. Mince. Il y a personne pour soigner à Tonnerre. Ah, oh bah là, si, Tonnerre... Bah, il est très, passant. Désolé à Tonnerre. En plus, Thor aussi, parce qu'il a un anneau qui lui fait craindre le feu, en fait. Oui. Mais c'est pas grave, tout va bien. Wouah. Qui va manger un bon petit burger? Tonnerre, bien sûr. Voilà, ok. C'est délicieux. Allez, Dark Pit, faut soigner, là. Dark Pit non, en fait, faut soigner, pas mourir, en fait. C'est chaud. Tiens, il est re-énervé. Déjà. Un petit coup de foudre. Wow. Ah, il fait mal, hein. Oh, il fait mal. Il est énervé, le secret, là. Un peu de difficulté dans ce jeu, enfin. Bon. Alors, il faut vraiment que je soigne Naoko plus vite aussi. Oh, il a esquivé le coup de foudre. Allez, Naoko, un petit sandwich. Non, t'aimes bien les burgers, toi. Je crois. Oui. Allez, un petit cheeseburger. Ah, oh, elle est contente. On va essayer de purifier.
tout. Allez, c'est ok. Ensuite, je ressuscite. Allez, allez. Allez, avant qu'il fasse une attaque quelconque. Vous soignez, vous soignez, vous soignez. Voilà, oui, c'est bon. Mon petit cœur. Je vais quand même tenter de faire cette attaque pour voir. Hein. À la fois, j'ai envie de dire que c'est probablement pas un boss pour tout de suite, mais après, on peut quand même avoir le voir dès le rang A, ce qui arrive assez tôt quand même. Ah bah, c'est pour le challenge. C'est pour utiliser un peu nos objets. Pour utiliser nos talismans. Exactement. Ça se trouve, on a des trucs de résistance au feu en plus. C'est vrai. Je ne suis pas vraiment sûre, mais je crois que vous n'êtes pas assez haut niveau. Bah pourtant, les yokai de la zone rang A, on les battait vite, du coup. Ça allait. Ah, elle a vraiment beaucoup de points de vie, en fait, à Oku. Non, à tonnerre. Après, on aura plus de poudre. J'avoue, je sais même pas si on peut en acheter. Bon, il doit y avoir un truc. Oh, il va faire du feu, Damona va ouais. Mourir. Oh. Bon. Et on n'a pas de truc résiste au feu à moins que c'est un équipement en fait. Je sais pas. Je vais regarder mais... Non mais c'est le classique du RPG, c'est le combat de boss qui dure une heure. Voilà. Alors est-ce que j'ai un truc qui résiste au feu? Alors non, non c'est talisman défense, de défense, vitesse, force, esprit. Ouais, non. Ouais, je crains que non. Je donne après. Thierry à la prune. Que je ressuscite à tonnerre aussi. Oh, mais ça soigne pas du tout. Non, du coup, comme t'as switché, il a. Ah non, ça a marché quand même. Oh, j'ai eu peur. Ouah. Ah, ils sont tous maudits. Ouais. Après, vous lui avez retiré un tir de sa vie sans trop de problèmes. Ça se fait, ça se fait. Lentement mais sûrement. Ah non, il fait l'attaque. Oh, tu vas tuer Dark Pit. Bah, je sais pas, je me disais que c'était peut-être mieux. Ouais. Oh, oh Tibania, il a tenu. Bon. Mince, vous avez changé, c'était trop bien. L'autre, lui, il est plus long à faire. Oh, que quand vous voulez pas aussi. Au moins, on t'a boosté tes stats. Bon. Ah ouais, par contre, j'ai vraiment plus beaucoup de remèdes, en fait. Il va falloir bien jouer. Je vais ressusciter, bah... Dark Pit. Bah après au pire si tu meurs on a des équipements différents aussi. Après je viens de sauvegarder donc au pire c'est pas grave, tu vois, oui, je pourrais toujours reset. Donc on ressuscite Dark Pit. On va essayer de... Ah ouais non, de toute manière il est très mal en point. Bon je vais soigner vite à tonnerre. Pas le pain bagel son préféré, il a dit. C'est pas grave. Oh non, il a tué Damona. Ouais, il a la moitié. Vas-y, je vais tenter la défense de Naoko. Ah mais c'est toujours vous attaquer. Celui qui est mal en point. Alors, ce qu'à tonnerre il aimerait bien. Le lait. Ouais mais le lait ça donne pas de vie, ça sert à rien. Ah dommage. Bon bah tant pis. Hein. En vrai j'ai acheté des bons burgers là.
Ouais, il est en train de préparer son coup ultime là. Ouais, ouais, pour ça je vais re-soigner par derrière. Elle a vraiment plein de points de vie là au coup. Elle va soloter le boss. Bon, alors, je vais espérer que ça va marcher ma stratégie. Oh, t'as une stratégie. Ouais. Ouah, tonnerre, il va pas très bien. Ouah, j'y barre rien non plus. Bon, en vrai, c'est pas grave. Je vais attendre un petit tour de plus. Je voulais ressusciter Damona en fait. Et en même plus, temps. Naoko a peut se et gagner. En même temps, faire son ulti en fait. Le Naoko. Ah, ça y est, là, il est énervé. Il fait giga mal. Non, il est joyeux. Allez, les objets, c'est trop long. En vérité, oui. C'est dommage qu'on voit pas la jauge de la barre d'objets. Oh, oh. Bon, ah, dommage pour un tonnerre. Attention parce que il est... Ah, dommage. Et je voulais que Dark Pit y soigne. Bah, il le faisait, hein, mais... Damona qui troll aussi, hein, en mode... Je vais donner une petite claque, hi-hi. Dark Pit, il sert tellement à rien, en vrai. Il sert, mais... C'est compliqué. Ah oui, là, le talisman de défense, on peut plus effet. J'ai même pas l'impression qu'il était si bien que ça, le talisman de défense, de toute façon. Mm-hmm. Donc... Ah, carrément le burger maximal. T'as là plein de points de vie. Ça y est, il fait son rouge écarlate. Non mais c'est vraiment Naoko qui va soloter. Ah hein. Non mais Naoko va soloter la défense en fait. Donc oh, j'ai cru que ça allait le donner à Damona. Ouais, moi aussi. Pendant un instant je me suis dit On va jouer comme ça en fait. Oui, je vois. C'est une stratégie. En plus, je crains la glace. Quoi déjà ? Bah, allez, allez, un petit coup d'Amona, tu peux ? Voilà. Ouais. On va pas être gourmand. On va pas être gourmand du coup. Limite, elle mérite un boost de magie ou d'esprit pour frapper plus fort le temps qu'elle tanque. Oh, il fait son attaque ultime là, alors je sais pas si tu devrais faire ça. Ouais, ouais. Je voulais tenter en fait. Ah, dommage, je voulais donner de l'âme à Damona en fait. Ah. Mais bon, ouais, vaut mieux que je souhaite. Oh! On va peut-être utiliser le gros burger en fait. Allez, c'est parti! Naoko a plein de PV et augmente toutes ses stats donc elle prend moins de dégâts. Et oui, c'est pour ça qu'elle est trop cool. Ah, mais Naoko, vraiment, vraiment, c'est un gros main. Hein. Mais non, mais fais pas dégâts, Damona! Attaque! Je vais lui donner un petit jus. Ah oui, c'est vraiment petit. Oh, attention, il attaque. Ah non, ça va. Débrouille-toi! Damona ne veut quoi, mais pas... pourquoi Damona, elle s'est fait toucher? Peut-être que t'as tourné trop tard. Je peux voir les points de vie, non pas du tout, je peux pas du tout voir les... Ah si en fait, non elle s'est vraiment fait toucher. Ah ouais, bon. Mince, bah, vraiment qu'elle est pas morte alors. Après on peut tourner le cercle avec LR, hein, ça va peut-être plus vite. Je tourne avec LR. Hein, ah ok. Le défaut de Naoko en tant que healer, c'est qu'elle n'a que son âme ultime pour ça. Oui, mais bon. C'est pas bien grave, j'ai envie de dire.
Allez, un cheeseburger. Elle a bien mangé. En plus, elle fait des dégâts corrects, en vrai. Elle fait vraiment des dégâts corrects. Hein. Vraiment, Dark Pit... En fait, elle est équilibrée. Dark Pit à côté, voilà. Bah, Dark Pit, il fait du soin et c'est tout. Ce qui est pas si mal non plus, hein, mais... La menace, je voulais bien attaquer, par contre, ça non. Serait... Oh non, elle va mourir. Mais voilà, la malchance aussi. Mais oh, oui. En vérité, ce que j'aime pas avec la multime, c'est qu'une fois que tu l'as fini, il y a un gros délai. Non, je veux. Et du coup, bah, je trouve que c'est dommage. Ouais, non, mais on peut pas compter sur la multime pour soigner, en fait. Ça sert à rien. Du coup, bah, je vais donner un gros burger à Davina. Ouais, mais Dark Pit, c'est le yokai qui permet d'avoir plus de chances de recruter avec. Oui, bah ah oui, non, mais Dark que Pit. Ça, c'est pratique. Hein. Je pense qu'il m'a bien aidé, Dark Pit, pour recruter Noko. Bon, visiblement pas Anguille. Ah non, il aime pas les Anguilles. En vrai, je sais pas si je peux pas attaquer, là, quand même. Tu sais. Ouais, on joue gourmand. Et là, dès qu'il fait ça, je bascule. Comment Naoko elle bourrine là? Mais non, mais Naoko quand il fait ça, elle bourrine, je sais pas, genre elle est en mode non, je vais attaquer. Je ne fais que ça. Et finalement, tu vois, acheter 100 euros de burger, c'est important. Oui, il semblerait. Allez, Damona, attaque! Non! Pourquoi tu veux jamais attaquer? T'as qu'à changer ma personnalité si t'es pas content. Ouais, bah il va bien falloir au bout d'un moment, effectivement, parce que là, c'est pas possible, elle attaque jamais. Bah, au début, elle avait un peu plus de volonté, effectivement. Allez, Damona, voilà, c'est bon. Tralala, ouais. À tout dans le spectacle. Un héros sait se faire attendre, figurez-vous, donc je viens pour... C'est dommage parce que du coup, il y avait le menu. Ouais, bah oui. Mais oui, mais je voulais soigner, en fait. Oui, mais en fait, je pouvais plus rien faire, en fait. J'étais bloqué. Ouh, bien joué. Bon, va falloir acheter des 10 burgers. Hein. Là, je te prie. Tout de suite. Oh là 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 là. Et tout le monde gagne des niveaux. On a gagné 8778 points d'XP. On est bien. On a gagné 300 euros. Voilà. Un anneau de feu. Un anneau de feu. Et ben, on est bien. Et des... Thor veut évoluer. Ouais. Bah vas-y, go. Oh, désolé Thor, à tonnerre, hein, j'aurais bien voulu vous bâtir. Oh, Maou. 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 Parce que ce qu'il dit à tonnerre des fois. Non, je ne peux pas donner le nom. Elle est stylée. C'est vrai, hein, pas mal. Tu vois, on l'a appelé Thor, mais je trouve qu'il a une bonne tête d'Oliver, en tout cas. C'est vrai, hein. C'est vrai. Bon, après, il a les yeux jaunes de Thor, quand même. Tout va bien. Après, bon, c'est sûr que d'un point de vue grand frère, Atonner, Oliver serait plus un grand frère pour Atonner que Thor, quand même. Mais... tout le monde va bien. Whisper m'entraîne vraiment dans des situations étranges. Aïe, 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 tu dérailles. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est mon secret. Quelle chic perruque! Oh, c'est raffiné, hein? Peux-tu me la rendre, s'il te plaît? Ah, merci. Ne le dites pas à mes employés, s'il vous plaît. C'est le secret dont les yokai parlaient? On dirait qu'ils savaient tout, ça. Quels bons employés sont tentés de protéger le secret de leur patron? Non, mais attends, il y a un truc. Il nous manque une information, c'est pas possible. Bah, je sais pas, peut-être qu'ils travaillent tous dans la mine. Oh, oh, c'est joli comme objet. C'est sûrement un objet très bien. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est peut-être dans les équipements. Ah oui, si je ne suis pas dans les équipements, très très bien. On va me dire. Ah. Rends des PV peu à peu. Une fée a donné cette écharpe à un humain pour le sauver. Ah, c'est mignon. Ok, rigolo. Donc, voilà. C'était donc l'arc du tunnel abandonné. Non, mais on dirait qu'il manque... C'est pas fini, hein.
Oui, c'est vrai que c'est pas fini. Il y a le côté S aussi. C'est des restes, bah du coup...